pourquoi il m'arrête. Le monsieur qui s'arrêtait. Genre. Ouais, on sait pas si on a le droit de venir. Mais je sais pas, mais je coupe la vidéo parce que je vois pas. La camionnette elle bosse à côté de nous, elle nous a rien dit. Je crois que c'est des chasseurs, bah en fait c'est une famille de chasseurs. Attends, je pense. La camionnette elle est passée devant. Et du coup, ouais, bah là. La cam. Devant nous là. Du coup, on va aller suivre, on va voir, il y a quoi là-bas, il y a peut-être quelque chose. Comment ça s'appelle en Afrique ceux qui tuent les animaux? Je sais pas, c'est des. Ah, des contrebandiers là, ouais, voilà. On aurait dit des camionnettes comme ça, ouais. Ouais, sale. Ouais. Mais je crois que c'est ça en plus, genre. Pour ça, d'un coup, les gars, d'un coup, en fait. D'un coup, je me suis retourné, je vois une camionnette. On l'a pas entendu. Et là-bas, il y a une route, je viens de voir une voiture passer. Ouais, là, là-bas, il y a bon. Une route. On va voir une voiture de Le gars, tu bégayes, frère, tellement tu stresses. On vient de voir une voiture passer, garde deux. Lui, il est stressé, mais hein. Donc on va suivre le chemin et puis on va reprendre une fois que on est au bout du chemin ou on trouve un truc. Bon vas-y, à tout de suite. Après au moins une heure de putain de marche, on a trouvé un pont abandonné. Genre c'est un pont. Il est tout vieux. Waouh. Regardez. Sale bien. Bon, on a été juste au bout du chemin mais on a trouvé qu'un pont. Déjà pas mal, un petit pont. Un pont. Avec des voitures derrière. L'autoroute. C'est un vieux pont. Hein. Le camion, je sais pas, il est passé. Il y a dû suivre le chemin, je sais pas, ça a ramené où. Par contre, là, on va continuer le chemin. On sait pas, mais genre, quand je vous le dis, on sait pas si on sait. On sait pas du tout où on est en fait. Genre. Je marche dans l'eau, je m'en bats les couilles. Je crois qu'on a trouvé quelque chose, les gens. Ah, ça fait du bien de marcher dans l'eau. Oh là 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 là, c'est quoi ce beans? What? Les gens, on a. On peut passer nous entre le col. Il y a un grand monde et tout, je sais pas c'est quoi. Les gens, je sais pas c'est quoi, mais ça fait rouf. Il y a un grand immeuble. Oui, ça dirait qu'il y a une ville abandonnée. Ouais, mais on dirait qu'il y a une ville abandonnée, les gens. Non. Je peux pas passer une comme par hasard, putain. Je passe au-dessus, mais je pense que ça, si on est là, on va avoir de la sécurité s'il y a ça. Genre, ça pue. Mais genre, en fait, il y a une grosse maison. Je crois que ça allait être la mosquée, je crois. Et c'est peut-être une villa cachée abandonnée. Quelqu'un passe par le terri, de moment, je crois qu'on voit ça. C'est peut-être une villa abandonnée, je sais pas. Oh, ça pue trop, les gars. Ça pue sale, mais genre sale. On essaie d'y aller ou pas? Oui, bah garde là. Je sais pas. En fait, on est à côté d'une ancienne usine. D'une usine abandonnée, à mon avis, parce que les trucs ils sont rouillés et tout. Et là, on est descendu en dessous du pont, donc il y a des vieux rails, là, ils sont cassés. Il y a déjà eu des feux. Mais. Non, regardez. On est à côté de Tumri, en fait. Là, on est juste en dessous du pont d'usine. Ouais. Ta gueule, vas-y, avance, je parle, fils de pute. Tu veux quoi? À 1000 pouces bleus, on essaye franchement de rentrer par l'entrée de là-bas vers où il y a le pont. C'est géant. Genre, en plus, c'est chaud parce que regardez, là, on le voit déjà le truc. Voilà, les gens. J'espère que ce vlog il vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. Abonnez-vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans un nouveau vlog ou un court-métrage peut-être. Allez, peace tout le monde.